Cette saison, Avalanche Québec produit et diffuse les bulletins d'Avalanche des Chic-Chocs dans le nouveau format national développé par Avalanche Canada. Ils sont disponibles sur le site web d'Avalanche Québec, dans l'application mobile Ski Haute-Gaspésie, ainsi que sur le site Internet d'Avalanche Canada. Il est diffusé en français et en anglais vers 18h à tous les jours du 1er décembre au 30 avril. La publication en soirée vous permet ainsi de mieux planifier votre sortie du lendemain. Voici ce qui est possible d'y trouver. L'En-tête présente la date et l'heure d'émission du bulletin, ainsi que celle de fin de validité. Une courte phrase met l'emphase sur l'information la plus importante à retenir. Le bulletin d'Avalanche se compose de trois onglets. Les indices de danger, les problèmes, ainsi que les détails. Le premier onglet comprend les informations de base, incluant les indices de danger, ainsi que les conseils sur le terrain et de déplacement. Le second onglet présente les différentes composantes des problèmes d'avalanche. Des icônes associées à l'altitude, l'orientation des pentes, la probabilité de déclenchement et la taille prévue y sont disponibles. Également, un texte explicatif vient apporter des précisions supplémentaires sur la nature du problème. Finalement, le troisième onglet élabore davantage sur l'activité des avalanches, le sommaire du manteau neigeux, ainsi que les prévisions météo en montagne. Nouveauté! Le prévisionniste qui produit le bulletin d'avalanche partage au grand public le niveau de confiance de sa prévision. Une lecture complète du bulletin permet la compréhension des conditions en montagne afin de mieux préparer sa sortie en hors-piste. De plus, le nouveau format du bulletin comporte une section latérale et une section inférieure. Dans la section latérale, vous y trouverez les liens pour rapporter une avalanche ou encore vous rendre sur le réseau d'information en montagne, également connu sous le nom de MINE. Dans la section inférieure, des ressources supplémentaires sont facilement accessibles pour connaître la zone couverte par le bulletin ou encore obtenir la définition des indices de danger. Nous avons procédé à ces changements dans le but d'uniformiser le bulletin avec les normes nationales de la prévision d'avalanche au Canada. Ce format est conçu pour présenter l'information la plus simple et la plus pertinente en premier, suivie par de l'information détaillée qui peut aider les utilisateurs plus expérimentés à prendre des décisions nuancées. Ce nouveau bulletin, dynamique et très complet, demeure l'outil numéro un à consulter avant de vous aventurer en montagne. Bonne glisse!